Salut tout le monde, c'est Pouillou pour une vidéo sur un vieux jeu qui date de 1988. Il s'agit de Manhattan Dealers. C'est un vieux beat'em up à la grande de 88 qui était développé par Silmaris. Alors là, je vais vous montrer donc le jeu dans sa version Atari ST. Il est aussi sorti sur Amiga et sur PC, je crois. Et ben, on est parti sans plus attendre. Je lance le jeu. Hop! On a même des voix. Manhattan Dealers. Wouah, la classe. Manhattan Dealers. Alors, un jeu dans lequel on joue un inspecteur qui s'appelle Harry. Alors, toute référence avec une œuvre cinématographique célèbre ne que pure coïncidence, je pense. Et donc, eh bien, le but du jeu, c'est de nettoyer les bas-fonds de Manhattan, des dealers, des drogués, etc. Alors, le jeu joue au joystick. Alors, c'est quoi ça? Manhattan Dealers, vous êtes l'inspecteur Harry, votre mission est de récupérer et détruire le nouvel arrivage de drogue détenu par certains dealers de Manhattan. Affrontez-les et assommez-les afin de prendre les doses qu'ils possèdent, prenez garde qu'ils ne vous assomment à leur tour et ne vous reprennent la drogue avant que vous ne l'ayez détruite. La drogue doit être brûlée dans un baril en feu à l'extrémité de la ville, ce qui vous rapportera des points de vie. Différentes stratégies sont possibles, suivant l'ordre dans lequel vous menez les opérations, à vous de vous choisir la meilleure. Bonne chance, Harry. Le joystick, on a les contrôles. Gauche-droite pour aller à gauche ou à droite. Ouais. Et quand on associe le bouton avec une direction, ça fait un coup. Bon, on va voir ça après. Ok. Alors la musique est absolument merveilleuse, totalement appropriée à l'ambiance du jeu. C'est un jeu dans lequel on distribue des claques et des coups de poing et tout. C'est tout joyeux là, sur l'air de Susanna là, c'est magnifique. On peut jouer au clavier ou au joystick. Bon, moi je vais laisser le joystick, qui est de toute façon émulé puisque je passe par Steam SSE. Là on peut choisir... c'est quoi ça? Niveau de difficulté? Alors... Niveau de difficulté, blédine, nicotine, cocaïne, héroïne et arcadoïne. Allez, on va prendre héroïne par exemple. Ah, la musique totalement appropriée. Bon, c'est parti, donc je suis là. Et ouh que c'est magnifique. Waouh. Et je fais comment pour me relever? Allô? C'est moi ou ça répond pas? Les contrôles sont infects, j'ai l'impression. Ouh là là, c'est lent, c'est saccadé, c'est horrible. Mais alors, il fait rien? Mais ça marche pas, ça marche une fois sur quatre. Je me fais défoncer. Évidemment, ils ont une plus grande allonge que moi avec leurs armes. Moi, je suis là avec mes petits coups de pied. C'est ridicule. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Je peux rien faire. En plus, le jeu est sympa, quoi. On commence avec deux gars contre un et armés les deux. Hein. L'un avec la chaîne, l'autre le couteau. Et ça répond une fois. C'est horrible. Mais au moins il y a la musique qui relève le niveau. Oh, qu'est-ce que je veux faire? Mais ça répond pas quoi, c'est affreux. Oui, vas-y, tape. Non, continue, tu as le droit d'en donner plusieurs, hein, je t'assure. Oh là là, il n'en donne qu'un seul à la fois, ça met... C'est atroce, c'est injouable. On va y arriver. Allez, au moins un quoi avant. Oh là là. Mais les gars, si l'inspecteur il pourrait pas venir avec une arme, avec un calibre 38, non, un truc dans le genre, un 9 mm, j'en sais rien. Allez, vas-y, continue. Oui, continue, encore. Bien. Vas-y. Oui, je vais peut-être l'avoir lui. Avoue pas. Allez, prends ça. Ouais, j'en ai eu un! Non, ah non, c'était vite parlé.
C'est atroce. Oui. Oui, peut-être que là. Non, il est toujours là. Mais ils ont combien de vie, quoi? Bon, bah non. C'était pas brillant. Voilà. C'était Manhattan Dealers. Bon, on va réessayer quand même avec un niveau de difficulté un peu plus faible, parce que là, je vais pas m'en tirer, quoi. Même des high scores, des fois qu'on veuille faire la compétition entre joueurs, pour savoir qui est le meilleur. Allez, allez. Bon, on va revoir la baisse, on va prendre les cocaïnes. Oui, oui, allez, le menu, on sait, merci. Ah, même le menu, c'est une plaie, quoi. C'est moi ou c'est plus fluide? Non, c'est juste qu'il n'y avait qu'un seul ennemi encore. Dès qu'il y a plus d'un ennemi à la fois, c'est l'horreur. Waouh, t'as vu ça? Tiens. Allez. Toi, tu te calmes. Tiens, coup de pied dans ta face, voilà. Voilà, là, je suis déchaîné, là, je vais les avoir. Mais il passe à côté de moi, c'est quoi ça? Allez, oui, oui, bien. Je voyais pas Manhattan comme ça quand même. Je pensais pas que c'était aussi délabré. Ah, les voix. C'est pas ce qui est le plus raté dans le jeu. Allez! Oh, la longe dans le jeu, c'est terrible. Tous les ennemis sont surclassent complètement en allonge. Et on se retrouve à taper dans le vide pendant que eux peuvent en mettre tranquillement. Allez, il faut continuer là. Bon, il a eu son compte celui-là. Ouais, plus qu'un. Du coup, le jeu est un peu plus fluide, non? Aïe, 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 aïe. Oui, tu te relèves. Je fais le coup de pied avant parce que c'est ce qui frappe le plus loin. Là, j'ai une belle série, mais les contrôles... C'est bon ? Ah, on y arrive. Bon, j'ai nettoyé le premier écran. Super, je peux pousser les poubelles. Éboueur Simulator 2000... Non, Éboueur Simulator 88. Bon, alors, je vais par où? À gauche, droite, allez, va pour la droite. C'est vide. C'est vide. Avec une petite pub, un petit placement de boule. Ah ouais, en plus, il te suit. Sympa! Allô? Alors, le truc, c'est de profiter du moment où il se relève. Ah non, mais... Suffit, là. Oh, le bruit. Voilà, quand il n'y a qu'un seul ennemi à la fois, ça va. La fluidité est un petit peu supérieure. Oh là là. Non, mais c'est tellement lent. Bon, bah, c'est encore un échec. Bon, alors, je vais recommencer avec niveau de difficulté bleeding, je crois. Oh mon dieu, on est en 2016. Allô, qu'est-ce qui se passe là? Oui, merci. On est en 2016 et je joue à Manhattan Dealer. Ah, les oreilles. Ils s'acharnent sur mon cadavre. Aucune décence. Bon, allez, on est reparti. Bon, tu viens toi? Alors là, au moins, il n'y a qu'un seul ennemi. Mais il a fini là,
et pan. Ouais, il a largué de la drogue. Je peux pas la ramasser, sinon... J'essaye. Oui, j'ai ramassé 4 kilos de drogue, super. Bon, on va retenter à droite, là, avec la moto. Mais j'ai demandé de descendre. Il en a rien à foutre. Et comment on fait pour se relever, au juste? J'ai pas compris encore. Hé, il a ramassé ma drogue. Rends-moi ma drogue. Oui, j'ai évité la moto. Wouhou, ça a répondu pour une fois. Voilà. C'est bon? Merci. Ok. Alors là, il y a des gens aux fenêtres qui vous balancent des briques. Et là, je viens de brûler la drogue. Et ça m'a remonté ma vie. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, les enfants, quand on brûle de la drogue et qu'on inhale les vapeurs, eh bien, ça vous soigne. Ça vaut n'importe quel médicament. Sachez-le. Alors, à gauche. Ah non, il y a tout Manhattan qui est contre moi, là. Ça va pas. Oh, c'est qui, ça? Je vois rien. Ah non, mais là, je vais crever en moins de 2, là. Et relève-toi, t'as le droit. Ah oui, non, mais c'est pas la peine. On va se planquer là, avec un peu de chance, je serai à l'abri des... Oula, ça va vite. C'est le niveau de difficulté le plus simple, ça. Allez, viens par là. Il veut pas. Il n'y a pas assez de place pour lui. Non. La longe quoi, c'est infect, c'est injouable. Putain, quand je pense que j'avais fini ce jeu, sans problème d'ailleurs, même dans mes souvenirs, mais là j'arrive pas. Voilà, ça c'est la bonne petite astuce. Et là il fait moins le malin, je récupère la drogue, enfin j'essaye. Hein. Oh putain, c'est l'horreur, même pour ramasser quoi. Ah quand même, 5 kilos. Bon, allez, on va inhaler les vapeurs et se soigner. Ouais, si j'y arrive. Tu as le droit de te relever et de re-ramasser avant que la moto ne revienne, mon petit. Allô? Allô? Putain, comment on fait? Quoi? Ah, je suis mort. D'accord. Eh ben, c'est pas comme dans mes souvenirs. J'ai réussi à finir ce jeu il y a longtemps, il n'y a pas de raison que j'arrive pas aujourd'hui. Tiens, un coup de pied dans ta gueule là. Bon? Ok. Ah non. Mais... Ça descend pas, putain, ça descend à 2 à l'heure, c'est infect. Et il se relève pas. Non, il veut... Si. Tu as le droit de... Oui, merci. Allô, on ré... Mais, c'est du harcèlement, là. Mais... Ah, mais c'est pas... C'est horrible. Allez là, comment il ramasse? Ah quand même. 8 kilos, non. Ouais, le poteau m'a protégé. Merci le poteau. Et je me soigne en inhalant. Une petite inhalation de drogue, ça fait du bien. Non! Même 2 musiques dans le jeu, attention hein. Wow. Oh là là. Mon Dieu, que de temps passé à s'aligner.
Et en plus il me donne un coup de batte là où ça fait mal. Allez. Ouais, ça c'est la bonne strat. Voilà. Alors maintenant j'aimerais pouvoir ramasser cette... Oui, c'est bien, ça a marché. Oula, il y a un petit bug de corruption de cette version, je crois. Voilà. C'est vraiment Manhattan ça? C'est pas plutôt le Bronx ou un truc dans le genre? Ah tiens, ça marche bien les coups de pied contre lui. Ouais. Bon, continue. Ouhou. Et nous avons une punk fouet. Oui, les punks étaient assez à la mode à l'époque. Allez. Bon ben, elle en avait besoin. Ce qui est bien avec les punks aussi, c'est qu'il n'y avait pas de lobby. Il n'y a pas de lobby qui disait que c'était de la stigmatisation de les mettre dans un jeu. On pouvait y aller, on pouvait les mettre. Personne ne risquait de se plaindre ou de se pleurnicher. Aujourd'hui, les punks, par contre, il n'y en a plus beaucoup. Donc, alors là, maintenant, c'est le quartier chinois. Visiblement. À Manhattan, toujours. Banzai, waouh. Alors, chinois ou japonais, on sait pas trop. Pas terrible ton disciple. Ouais, mais là... sabre contre le poing, c'est moyen. Oh, ça va. Ok, 8 kilos de drogue. Ben, il va falloir brûler ça. Attends, y'a pas un passage derrière? La 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 la... Ici, là, y'a un passage, là, non? Non, c'est rien. Ok, on oublie. Alors là, difficulté, arriver à passer sans tomber à la flotte, ça va. C'est bon. Allez! Allez, en bas. Mais... Bah le jeu est presque fini, il reste encore 8 kilos de drogue à trouver. On va aller dans la cave. Oh, ça c'est moins sympa ça. On notera quand même qu'il y a de la variété au niveau des ennemis. Les gars, les programmateurs auraient pu se faire chier à faire un mec et à le répéter comme dans beaucoup de beat'em all. Non, là, chaque ennemi est unique, finalement. Il y avait de l'effort. Oh, les oreilles. Et voilà. Et j'ai trouvé encore 13 kilos. Et sitôt brûlé, le jeu devrait être fini. Du moins dans la difficulté la plus faible. Alors, si on fait le compte, combien est-ce qu'il y a d'écrans? Il y avait la cave là, il y a cet écran, ça fait 2. Il y a deux écrans là à droite, ça fait 4. Il y a l'écran à gauche et celui d'après, ça fait 6. Il y a les docks, ça fait 7. La rue du Chinatown, ça fait 8. Et le dojo, ça fait 9. Voilà, le jeu a 9 écrans. En tout et pour tout. Ce qui lui assure une durée de vie et une rejouabilité légendaire. Voilà. Et ensuite? C'est pas fini? Et je fais quoi maintenant?
qu'il y avait deux écrans là à droite. Celui-ci ça fait 3, la cave ça fait 4. Celui-là ça fait 5. Celui-là ça fait 6. Celui-là 7. C'est tout. Et c'est génial. Bon, bah, apparemment, le jeu ne finit pas. C'était bien. Voilà, une expérience vidéoludique légendaire. Je vous le recommande chaudement. Matt and Dealers de Silmaris, qui date de 88. Un studio de développeurs français, Cocorico. Et voilà, je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter. Bon. Eh ben c'était... Ce fut bref, mais ce fut bien. Sur ce, chers amis, je vous dis à très bientôt sur Pouyuland pour de nouvelles aventures, de nouvelles vieilleries à redécouvrir. Voilà. Salut à tous. C'était Pouyou.